Avec le micro-marché, ça fonctionne mieux. Et salut à tous ses amis, bienvenue pour cette bêta de Résidence Evil Projet Résistance, la bêta. J'avais au départ prévu de faire cette bêta sur PlayStation 4, mais il y a eu deux problèmes. Le premier étant que mon PSN Plus n'est plus en fait PSN Plus depuis 2 jours. 2 ou 3 jours, bon, je n'ai pas spécialement envie de me réabonner car je joue très 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 peu online sur la PlayStation. Je me suis réabonné l'année dernière, je n'y ai jamais joué, je joue juste à Final Fantasy XIV en online sur la PlayStation, donc je vois pas à quoi ça me sert de me réabonner, c'est de l'argent dépensé pour rien. Donc maintenant je m'abandonnerai certains mois, comme le mois prochain. Certainement, quand certains jeux me plairont. Donc je me rabonnerai pour Uncharted 4. Donc là, les amis, je le fais aussi sur la Xbox. La deuxième raison étant que les serveurs PS4 et les serveurs Steam sont en PLS total. Alors je ne sais pas si c'est Microsoft qui a donné un gros chèque pour que ça ne fonctionne pas sur les serveurs de Sony et de Steam, ou si c'est à cause du confinement qu'il y a trop de monde, etc., etc. On ne sait pas, on va pas entrer dans des théories du complot, mais en tout cas sur la Xbox, ça fonctionne. Donc, on y joue sur Xbox. Ok, alors je sais pas depuis combien de temps je cause le micro fermé, c'est pas grave. Donc voilà. Donc je récapitule parce que j'ai décidément des problèmes de micro. Alors je ne sais pas
Si je vais commencer Mastermind, mais en fait, je vous explique le jeu. En fait, d'après ce que j'ai compris, on va incarner des joueurs lambda qui devront survivre, un peu comme Deadly Blight et Vendredi 13. Et un joueur jouera le Mastermind. Alors, il pourra poser des pièges, contrôler des créatures et un espèce de gros boss super balèze, si j'ai bien compris. Donc, moi, je n'aime pas du tout ce style de jeu. Mais bon, il est offert gratuitement, entre guillemets, avec Resident Evil 3. Donc, on va pas se plaindre. Et là, la bêta est disponible jusque la sortie de Resident Evil 3. Donc, on va pas se plaindre non plus. Je sais, gratuit. Pour l'instant, je ne me plains pas. Mais je déteste ce genre de jeu. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, je joue solo. Car tout simplement, les serveurs PS4 et Steam ne fonctionnent pas. Ça, il me semble que vous l'avez entendu. Il me semble que mon micro n'était pas encore coupé. Il y a peut-être Garjo qui va nous rejoindre. Mais là, il est au téléphone. Enfin, j'espère qu'il est vraiment au téléphone et qu'il ne sort pas pendant le confinement. Et Jambi, bah c'est un PD, il nous snob, il ferme les groupes d'amis quand j'arrive, s'enculer dès qu'il est avec ses autres potes. Donc il va se faire foutre. D'accord, donc on peut blesser les survivants, mais pas les achever quand ils sont blessés. Bon, et Déplacez la caméra pour observer les environs. si je joue pas sur la PS4, comme je disais tout à l'heure, c'est tout simplement parce que les serveurs sont en PLS, Steam et... Utilisez le plan pour changer de caméra. Steam et PlayStation ne fonctionnent pas. Il n'y a que les serveurs Xbox qui fonctionnent. À mon avis, ça doit être le capitalisme américain qui a encore frappé et qui a donné un gros chèque à Capcom pour que ça ne fonctionne que sur leur serveur pendant quelques heures. Alors, gros inconvénient de l'avoir sur Xbox, c'est que sur PlayStation 4, j'avais téléchargé la bêta, ça m'a pris 4 minutes. Ça m'en a pris 21 sur la Xbox. Il faut vraiment qu'ils fassent un effort sur leur carte réseau. Faites apparaître un zombie au lieu indiqué. D'accord. On a fait apparaître un zombie. Graphiquement, le jeu est beau, hein. C'est le même moteur graphique que Resident Evil pour le coup. Mais franchement, c'est beau, quoi. Prenez le contrôle du zombie. On peut contrôler les zombies. Attaquez le survivant. Annulez le contrôle du zombie et retournez en mode caméra. Les survivants réapparaîtront au début de la zone en cas de mort. Mais le temps dont ils disposent pour s'échapper sera grandement réduit. Placez un piège au lieu indiqué. Alors, c'est pas mon style de jeu comme je viens de dire à l'instant. Alors, contrôler le mastermind, ça peut être rigolo. Être le maître du jeu, ça peut être marrant. Utilisez J'ai la une carte mitrailleuse. mitrailleuse pour éliminer le survivant. Quittez le mode tir. Mais ça a l'air tellement cheaté d'être... D'être le maître du jeu, que comment ils font les survivants pour survivre là? Utilisez votre habileté ultime. Ah oui, voilà, on peut invoquer un super balèze là. Attaquez le survivant. Anéantissement. Oh bah, par contre, putain, je l'ai loupé. Et le mec il bouge pas, je l'ai loupé quoi. La grosse dégâts, ah ouais, faut plus qu'elle recharge. Ah ouais, par contre, la maniabilité, c'est pas ça, hein. C'est raide. Le temps est écoulé. L'expérience est un succès. Bah, jouer le Mastermind, ça a l'air d'être vraiment sympathique. Mais en fait, ils auraient dû créer ce genre de jeu où on est le maître du jeu avec un ou deux potes ou trois potes
Et on subirait des sortes de hordes pour tuer des survivants, par exemple. Ça aurait pu être sympa. Parce que là, je trouve qu'il y a un sacré déséquilibrage entre le survivant et le mastermind, quoi. Ça a l'air tellement cheaté le mastermind. En plus, on incarne une fillette là. Enfoncez C'est la pas rassurant de porte. jouer le survivant. Elle est où la porte? Elle est là. D'accord. Avancez vers le mécanisme. On se sent tout de suite plus faible, hein. On n'arrive même pas à défoncer une porte. Bonjour, Crash Bandicoot. Trouvez la pièce manquante. Chaque RB. personnage possède une habileté personnelle. Utilisez celle de Valérie pour mettre en évidence les objets à proximité. Trouvez la pièce Bon, manquante. RB, c'est bien ça, hein. Oui, c'est bien ça, RB. Trouver la pièce manquante. Ah, putain, en plus, il faut chercher des trucs, le temps de trouver les objets et tout. Putain, mais on va se faire défoncer. Le mastermind, il a le temps de s'amuser avec les webcams, de trouver. Ah, ok, elle est là. Fixez la pièce que vous avez trouvée au mécanisme. Assemblage terminé. La sortie est ouverte. Dirigez-vous vers la zone D'accord, suivante. fallait mettre une casquette sur Crash Bandicoot pour ouvrir la porte. Ok. D'accord. C'est vrai que ça marche bien aussi en général. Cherchez le zombie en tenue de protection. Il porte une carte de sécurité. Éliminez le garde en attaquant les parties vulnérables de son corps, comme la tête ou le dos. Ah! Oh putain! Ramassez Il la faut carte quand même de bastos en sécurité. plus. Déverrouillez le système de sécurité. Utilisez le plan pour le trouver. Dirigez-vous vers la sortie. Ah, là, franchement, la jouabilité, c'est raide. Hein. Quand vous jouez à un Dégoon, c'est que vous jouez à ça après. C'est vraiment raide, quoi. Votre coéquipier est presque mort. Aidez-le. Ouais, comment je fais? Ah, c'est A, ok. Je faisais X, moi. Valérie peut soigner les survivants blessés avec son habileté spéciale. Alors, cheatez aussi cette petite Valérie, là. Est-ce que tout le monde peut soigner ou pas? Qu'elle-même. Ramassez les crédits Umbrella. Achetez une arme plus puissante à l'armurerie. Ah, on peut acheter des armes plus puissantes. Voilà. Et on prend une plante verte. Équipez-vous de votre nouvelle arme. Quittez la pièce sécurisée. Je me sens beaucoup plus en sécurité du coup. Ah, il y a des pièces sécurisées du coup, donc là on peut prendre notre temps de nous stuff. Trouvez et détruisez le biocœur rouge. Ok, il est là-bas. Saute! Non? Après, si! Ok. Vous si avez été possible. Infecté. Trouvez une plante bleue. Utilisez la plante bleue pour diminuer votre taux d'infection. Mmh.
Si on doit reconnaître quand même un point fort au jeu, c'est que je trouve que visuellement il est beau. Après voilà, on pourra parler toujours des animations faciales, hein, mais le visuellement je trouve joli. Franchement, visuellement il est beau. Après ils ont gardé un peu la maniabilité de l'époque PS1 quoi. Bon, après sur PS1 je sais qu'on pouvait même pas avancer et tirer. Hein. Enfin, je me souviens. Mais là c'est voilà, c'est quand même raide pour du 2020. Après voilà, s'ils avaient trop changé la maniabilité, peut-être que les gens auraient râlé aussi en disant que oui, c'est plus comme avant, blablabla. Mais bon, il n'y a pas de mal à moderniser parfois quand c'est bien fait. Même péter la vitre, ça prend une plombe. Ah, c'est le mec, le Masterman, il a 10 000 fois plus de trouver, quoi. Dernière sortie déverrouillée. Activez l'interrupteur pour l'ouvrir. Ok, quand j'ai une minute 30 pour y aller, donc cours un petit peu, une petite. Alors, c'est pas une grosse sportive, hein, elle court pas très vite. Ah, peut-être que c'est pour ça qu'elle a mis du temps à péter la vitre, peut-être qu'il y aura des mecs qui auront plus de force physique. Ah, on a mission illimitée sur les flingues ou c'est parce que c'est le tuto? Survivez jusqu'à l'ouverture de la dernière sortie. Ouh, mais j'ai rien dit, ça. C'est un steak. La dernière sortie s'ouvrira dans 10 secondes. La dernière sortie est ouverte. Ok. On va passer aux choses sérieuses et jouons. Faut voir, franchement, faut voir. Avec des potes, ça peut être fun. Et ça peut aussi briser des amitiés, je pense, ce genre de jeu. Disons que si vous jouez avec des potes, jouez que... Bah, jouez que le même groupe, quoi. Jouez soit les survivants, soit le Mastermind, parce que je pense que ça peut briser des amitiés, ce genre de jeu. Ah, nous avons Garjou qui se connecte. On va voir s'il nous rejoint. J'ai fait un petit groupe d'amis. Dans les options déjà, qu'est-ce que nous avons disponible dans les options? Commande, alors commande, la règle de rechargement automatique, oui ou non, correction de la visée, voici la manette, la caméra, la version des apps, c'est normal, la visée, Mastermind. Ah oui, nous avons un mode Mastermind. Alors l'affichage, ok, audio, chat vocal, langue, Renette, c'est quoi ça Renette? Renette est un service entièrement gratuit destiné à enrichir encore plus votre expérience dans l'univers de Resident Evil. Envoyez vos données de jeu, progression et adresse IP pour avoir accès à divers services tels que votre historique de jeu et des défis uniques. Page internet, ok d'accord. Ah, attendez, on va voir si Garjou nous rejoint. Mais le temps que tu télécharges le jeu, je pense qu'on a le temps de s'en faire une, de toute façon, même s'il est à la fibre. Tellement lent de télécharger sur cette console. Donc, jouer. Pas plus rapide. Ah, on peut choisir si on veut être le Mastermind, ou si on veut être le survivant, ou si on veut être le survivant en équipe. Contrôlez un survivant, échappez-vous d'un terrifiant sans expédition. Aidez les amis pour jouer ensemble en tant que survivant. Bah allez, on va commencer par... Oh, tu sais quoi? On n'est pas des... On n'est pas des salopes. On n'est pas des matringues. On va commencer en survivant. D'autres joueurs, pour l'instant je suis tout seul. Hein.
Ça charge pas bien vite. Donc est-ce que... Oui, ah, c'est, y en a trois. De toute façon, y a toujours beaucoup moins de joueurs sur la Xbox que sur la PlayStation et sur PC. Hein. Donc du coup, je pense que si vous jouez plus tard à la version Steam ou PlayStation, ça chargera beaucoup plus vite. En sachant que les fans de Resident Evil qui ont toutes les consoles comme moi, ne peuvent jouer que à la version Xbox pour le moment. Donc du coup, ben voilà, ça va du coup attirer du monde. Mais quand ça sera disponible sur PlayStation, certainement des joueurs Xbox ils vont se barrer sur PlayStation ou sur Steam. Ah, voilà la cavalerie. Voilà, veuillez inclure votre audio, mais sans commencer par votre intro. Ah Oui, non, bonsoir. alors j'ai fait le tuteur. Bonsoir, gosh. Ça fait très alcoolique anonyme. Donc du coup, Garjou, bah, t'as un petit tuto à faire hein, pour Resident Evil, le temps que tu le télécharges. Moi, ça m'a pris 20 minutes à le télécharger sur l'Xbox et 4 minutes sur la PS3. Donc ça te fera une moyenne de 10 minutes à toi, à peu près, quand t'as une meilleure fibre. Oui. Mais voilà la différence Oui. quand même, 4 minutes sur la PS3. La PS3. La PS4, pardon. Ah, t'inquiète, quand la PS5 sortira, je dirai la PS3 et la PS4. Oui, jusque-là tout va bien. Happy Hour prévu à 23h30. Ah, il y a apparemment sur Call of. En juge, j'ai vérifié un truc sur Call of. Douter! Pour voir les nouveaux défis. J'ai On va venir mais en fait, si je suis venu sur Xbox, c'est parce que les serveurs PS4 et les serveurs Steam sur Resident Evil ils fonctionnent pas. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont fonctionner, mais je pense que Microsoft a dû donner un petit chèque pour genre vous pouvez nous laisser quelques heures en priorité s'il vous plaît. En même temps, ceux qui ont les serveurs, donc du coup, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ouais. Bon là par contre ça galère à trouver du monde, ça fait déjà 3 minutes que j'attends, qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur ce jeu j'ai l'impression. Ça fait 3 minutes que j'attends, nous sommes 4 sur 5. Alors je joue survivant pour la première partie, et après je jouerai le mastermind. Je sais pas comment les survivants peuvent gagner face au mastermind, tellement il a l'air cheaté le bonhomme. Enfin le mastermind fait tu contrôles tout, tu vois les caméras, tu peux placer des zombies, des pièges, tu peux invoquer un gros boss pour traquer les survivants. Je sais Ah, pas c'est bien comment on ça. va. Je sais pas comment. Bah, ça ressemble à Deadly Daylight ou. Dead by Daylight, hein, et là, c'est Voilà, vendredi 13. et Vendredi 13. Ça ressemble un peu à ça, quoi. Si tu veux, je peux dire à mon équipe de. Comment ça peut marcher? À mon équipe de le télécharger aussi. Bah, allez-y, hein, si vous voulez vous faire partie, on peut jouer jusqu'à 5. Donc, trouve deux ou trois petits gars là. Bon, j'ai échauffé les névroses. Putain, hier, j'ai fait ma première séance de sport à la maison, j'ai reçu mon haltère là. Ça fait du bien, Ouais. hein. J'ai fait que 3 45 minutes, parce que bon, à la maison, je m'entraînerai moins longtemps qu'en salle de sport, hein, parce que c'est pas pareil. Mais 45 minutes tous les 2 jours, je pense, ça maintient en forme, quoi. Ouais. Ça fait du bien, mais c'est pas Warzone est pareil. disponible. C'est une blague ou quoi? Ils sont cons, De quoi? Warzone. Non, je dis Warzone disponible. Message du Wow. jour. Putain, mais ils sont partis les mecs. C'est quoi cette galère? On est plus, je suis tout seul maintenant. Je suis sûr que je sais Moi, je pourquoi les suis survivants ont galère sûr. à trouver. Je suis sûr que tout le monde veut jouer Mastermind tellement ça a l'air cheaté. Ouais. Là, ça fait quand même 4 minutes 40 qu'on cherche, hein, les amis, et on n'a toujours trouvé personne. Hein. On va annuler. Interrompre le matchmaking, on va tester en mastermind que j'ai fait, hein, parce que en survivant ça a l'air de galérer. Ou alors tout le monde joue en survivant par équipe avec déjà ses potes, peut-être c'est possible aussi. Hein. Mais après, tout le monde n'a pas toujours 5 potes sous la main pour jouer. Oh, il est classe celui-là. Ça va être 15 éliminations avec des tourelles manuelles. Waouh, il le faut celui-là. Il est classe. Tourelle manuelle. C'est quoi, télécharge jeu avec les potes parce que j'ai l'impression qu'on trouve personne quoi. Éliminer 9 ennemis à terre, mort de rire. T'as lancé le téléchargement?
Pas encore, je vais le faire. Mais il faut voir si t'arrives à le trouver Mission. déjà, parce que moi je l'ai pas trouvé, hein. Je suis passé via Google pour le télécharger et Mission mon téléphone. Warzone. Je suis allé sur mon téléphone pour qu'il m'envoie un lien pour le télécharger en Bluetooth là. Depuis un véhicule. Deux éliminations ou assistance depuis un véhicule. D'accord. La vache, ça va être chaud ça. Putain, je trouve personne, y'a personne sur ce. Y'a personne sur ce jeu en fait. Ouais, je vais demander à. À l'équipe de. De télécharger. Attendez, je vais annuler encore, hein, parce que Mastermind, à mon avis, tout le monde veut jouer au Mastermind, je pense. Non, mais après, il faut me bloquer une équipe de 6 et. Ou alors j'y vais en aléatoire, comme ça me mettra soit Mastermind, soit Survivant. Je m'en fous, je veux juste jouer une partie, s'il vous plaît. Une petite part. Ouais, il est mignon celui-là. Je vais voir si je trouve des gens qui ont le jeu. Ok, bon, laisse tomber le Xbox Live bug comme je sais pas quoi encore. Dans ma liste Ah, d'amis, je vois que Hemorrhoid, Arcanic et Darkin. J'ai 4 amis en ligne, alors que j'en ai toujours en moyenne une vingtaine d'amis en ligne. Ah, c'est les gens se connectent petit à petit là. Le Xbox Live, il souffre là en ce moment. Bah, en fait, de 16h à minuit, 1h du matin, c'est la misère. Il est classe celui-là. No fly zone. Donc en fait c'est 4 survivants et un mastermind. Les gens se barrent, vous êtes cons quoi, y'a déjà personne qui vous barre. On était 4 sur 5, il y en a un qui est parti là. Bon bah ça va faire 10 minutes qu'on attend pour trouver une partie, super. Ça, je vous l'avais dit les gens que sur la PlayStation il y a toujours plus de monde que sur la Xbox. Et que du coup ce jeu là risque d'intéresser plus de gens PlayStation que de gens Xbox, hein, ou des gens Steam. Donc vous aurez certainement pas ce problème que j'ai, mais alors là sur Xbox il y a après personne. Normalement là. Il va y avoir le cross platform qui va se généraliser, donc ce que tu dis ça tient pas. Tu auras les gens de Play et de Xbox et de PC qui se croiseront. Bah c'est pas le cas pour l'instant. Non mais là c'est une démo. Là, pour oui, mais rien je suis pas sûr que sur ce jeu là il y aurait du crossplay, j'ai pas entendu ça moi. Non mais ça va se généraliser. En fait, oui. C'est Microsoft qui tient tous les serveurs. Donc, de manière, partant de là, c'était Sony qui voulait pas au début. Hein. Microsoft aujourd'hui bah, non mais Microsoft ils ont pas le choix c'est hyper facile. Vu qu'ils ont pas d'exclusivité et que du coup les gens leur font la gueule à cause d'exclusivité et du coup vont aux concurrents, ils ont pas le choix bon, d'essayer pas de les gens de toi tu leur fais la gueule, moi je leur fais pas la gueule. Ouais, après la plupart des gens qui leur reprochent un truc c'est ça est pas terrible. Oui mais ça c'est géré pour la 360 et comme ils ont géré pour la One, oui il y a une grosse différence. C'est encore autre chose, ça a commencé par un marketing mensonger au départ, déjà, et après ils ont voulu nous imposer des trucs genre la Kinect, genre la connexion obligatoire, genre tout ça, ils sont revenus, ils ont rétro-pédalé. Oui, ils ont rétro-pédalé parce qu'ils ont vu que les gens faisaient la gueule de que la console nécessite une connexion obligatoire, parce qu'ils se sentaient fliqués, et puis surtout que s'il y avait une coupure internet, et ben ils pouvaient plus jouer à leur jeu. Ils ont menti aux gens en insinuant par exemple des trucs du genre, des inepties du genre « Oui, la Xbox est la première console à avoir créé des jeux en ligne », parce que c'est pas vrai, c'est un Dreamcast. Et voilà, après il y a une mauvaise gestion, moi. Hemorrhoid disait que la Xbox One buguait moins que la 360, moi je suis pas d'accord, sur la 360 j'ai eu peut-être une fois ou deux des bugs, c'est tout. Que sur celle-là j'en ai eu plein au cours de ces années. On veut dire que... À lancement équivalent, la 360 elle a moins merdé que la One. Putain, la One au début c'était une purge. Même moi j'étais en train de me dire, je vais aller prendre une Play 4 là. Même au cours des 6 ans, hein.
Regarde, bon, là c'est différent. Là, je n'en veux pas en ce moment, parce que en ce moment, tout le monde est connecté, que ça bug plus ou moins partout, Internet. Mais même, il y a souvent du coup des problèmes de chat, des problèmes de connexion tout au long. Ça arrive au moins une fois ou deux par an, bon, c'est pas souvent. Mais ça arrive. Avant, ça n'arrivait jamais. Et j'ai reçu des mails. Les exclusivités, surtout. Les exclusivités, il n'y en a pas. Les jeux japonais, il n'y en a pas. Pour les fans de RPG, il n'y en a pas. Je sais même pas s'il y a un RPG japonais qui est, à part les Tales of, qui est sorti sur d'intéressant, qui est sorti sur la One cette génération, quoi. Partie trouvée. Ouais, après 15 minutes de recherche. Alors je peux jouer Valérie, January ou Samuel. Alors, étoile montante du ring local. Rien ne semblait pouvoir arrêter Sam jusqu'à ce qu'une terrible blessure mette un terme à sa carrière prometteuse. C'est dur d'écrire à lire sur un fond blanc comme ça. Cherchant désespérément un moyen de guérir, Sam a sauté sur l'occasion de participer à un essai clinique pour un mystérieux médicament. Bien qu'il ait regagné ses capacités physiques, il se bat désormais non pas pour sa célébrité, sa gloire, mais pour sa propre vie. Bah écoute, ils m'ont laissé que lui les gens, donc je le prends. Alors il a niveau 1, point A, on peut booster les personnages. Niveau 1, il a point éclair. Sam avance rapidement et frappe l'ennemi le plus proche, appuyé plusieurs fois sur R1, je pense. Après avoir utilisé cette habilité pour enchaîner. Combattant. D'accord, donc combattant. Ok, bah je peux rien augmenter pour l'instant. Donc du coup... Il y a un bug avec toi. Quand je reçois un message de toi, c'est le répondeur qui m'écrit. Et quand je vais sur ton truc, il y a marqué « Répondeur commence à le télécharger ». Ah bon ? Ouais, je sais pas pourquoi. Bah, je suis chez SFR, cherche pas. Je suis chez SFR, voilà. T'es chez SFR aussi, toi, non, en plus ? Ouais, je suis chez SFR, ouais. Ouais, mais SFR, c'est de la merde. Tout le monde est en train de se plaindre en ce moment. Et je prie pour que leur réseau, tu vois, je suis pas croyant, mais je prie quand même, pour que leur réseau y tienne, hein, parce que SFR, c'est tellement de la merde en temps normal, là, ça va... Là, je m'inquiète, hein. Tout cet acharnement au sport et à la musculation, tu as su te détourner de l'écoute avec tes touche du bois. Eh, hey, tu con, tu me fais pas peur. Mais pour l'instant, ça va. Ça tient. Ouais, bah, à part les connards qui, à Paris, s'amusent à péter les lignes internet pour faire chier les gens. Bon. Bah, putain, c'est... faut même pas que je chope, hein. Il va s'en foutre. Ouais, carrément pas, hein, parce que là, je serais pas heureux, moi non plus. Bon, je vais suivre les compagnons, parce que j'ai pas son orientation. Restons ensemble. Oh putain, elle est déjà prisonnière, elle. Si ça pouvait vous être utile, vous croyez que je vous le dirais ? On peut aider les gens à se libérer de pièges. Revenons un peu au jeu, les amis. Je sais que j'ai tendance à me disperser sur mes lives, surtout sur l'Xbox. Je ressens aucune douleur. Exactement ce qu'il se passe. C'est des choses, ça. On n'est jamais plus servi que par soi-même. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est ton micro, là. Ouais, c'est vrai, ouais, j'ai pas... Désolé. Est-ce que vous êtes piégé ? Je me souviens plus d'un film. Vous savez, je sais pas. Oui, j'ai perdu mes compagnons de route, mais ils tracent, ils ramassent rien. Alors, je sais que vous me direz que le but du jeu, c'est de se sauver, hein. Mais bon, vu qu'on est au début du jeu et que... Faut ce stuff, quand même. Vu que mon mastermind a l'air cheaté. Parce que là, je trouve des munitions, je trouve du fric... Je dois avouer que les je mecs ne ont tracé tout droit pas gagner aussi vite. Et ils m'ont laissé tout seul. Ou alors c'est moi qui suis resté en retrait. Hein. Ils prennent la chose comme ils veulent, mais en tout cas je suis tout seul. Ah, ils sont obligés de m'attendre ? Parce qu'ils me regardent tous de travers là. Ah, il faut une clé pour ouvrir la porte, d'accord. Allez, la sortie de. Ok. C'était toi qui avais la clé, c'est ça ? Je sais pas. Parce que quand tu feras le tuto, tu verras qu'ils ont des serrures assez originales dans ce jeu. Ah.
Ok, d'accord. Donc là, est-ce que c'est ouvert, du coup? Ah, attendez, j'ai trouvé un peu d'argent. Donc, kit de réparation, plantes vertes, munitions. Mathilda, c'est quoi, Mathilda? C'est quoi, Mathilda? C'est le VP70. Bah, je vais acheter un Mathilda, alors. C'est une arme de merde, mais bon, c'est pas grave. Bah, vu que j'ai un bâton de bois. j'ai fait un épisode sur cette arme. Ah ouais, bah, j'ai pas vu. Ou alors, je m'en rappelle plus. C'est pas possible. Bon, je m'en rappelle plus, c'est celui où il y a Manu qui danse et tout, là. Ah, c'est possible. Moi j'ai un flingue putain. Maintenant. C'est moi le chef de groupe. J'ai un flingue. On y va. Ah d'accord. La nana, elle est... Il y a un mec, il incarne une nana, il est venu me chercher, il m'a fait on y va. Ah bon d'accord, excusez-moi. Oh putain. Putain. Hé, hey, tu te rattraperas. On peut pas le désactiver ce truc là? Merde alors. J'ai un ange gardien. Merci. On y va. Par ici. J'adore. Il y a un mec qui est venu me chercher, il m'a fait on y va, on y va. Ça m'a fait trop marrer. Bravo. Comment il a fait ça? Voyons voir jusqu'où vous pouvez aller. Ah, j'ai plus que 24 balles déjà. Ah non, j'en ai 31. Ouais, ça... Ah bah y'a encore des... On peut encore acheter des munitions là. Y'a une plante verte les mecs hein. Ça ne la prend hein. Je la prends hein. C'est quoi, j'en ai plein des plantes vertes, j'ai peut-être en prendre une hein. Oh, oh. J'en ai trois alors j'en reprends une. Attention. Oui, il m'a fait pour dire on y va. À part ici, j'ai compris, attendez. La meilleure solution pour vous tuer. Mais les ordres sont les ordres. Ah! Au secours! Aidez-moi! Merci. Oh putain, salope! Lâche-moi! Prenez sa carte de sécurité et allez découvrir ce que je vous ai dit. J'ai vu l'ambiance à fond, les mecs. J'ai vu l'ambiance à fond. Une arme parfaitement brutale et adéquate à la situation. C'est pas ce qu'on cherche. Je suis complètement perdu. Je suis complètement dépendant de mes partenaires. C'est quoi ça? C'est un maillet, je peux le prendre? Non. Est-ce que je peux retourner acheter du soin? Là, il y avait du soin, non? Ok, voilà, je vais retourner acheter 2-3 plantes, on a un peu d'argent. Voilà. Donc, mon inventaire est presque full. Voilà, je préfère être sécure au niveau du soin. Un zombie coursier est apparu, ok? Le monde entier plonge dans la folie, mais pas encore suffisamment pour que je laisse ça déverrouiller. Mes poteaux sont en danger, j'arrive.
merci. Oh, merci, Sorette. Hein, c'est pas si mal, hein. Tout compte fait, même si j'avais dit tout à l'heure que j'avais pas ce style de jeu et tout, c'est pas si mal. Je crois que je vais jouer un peu la bêta. Je dirais pas que c'est un argument de vente pour moi, ce hein, outil, mais c'est pas si mal. Cette zone. C'était prévu, ils sont tous affamés. Elle est sortie, on va passer à la zone suivante, d'accord, on arrive. Vous voyez ce que vous m'obligez à faire ? Elle est où la sortie ? Peu importe. Votre sang rejoindra celui de bien d'autres. Merde. Personnes. Un mastermind. Comment on sort? Putain, quand le mastermind arrive, c'est chacun pour sa gueule. Hein. Je suis perdu. J'ai pas sans orientation. Je suis perdu. C'est un zombie, elle, ou une copine? Ah, c'est un zombie, elle. T'as commencé à télécharger le jeu? Ah merde, bon. J'ai oublié. Quel boulet. Télécharge le Microsoft Store? Ouais, mais j'ai galéré à le trouver, donc je suis passé par Google, moi. J'ai tapé où télécharger la démo de Resident Evil. Resident Evil? Ouais. Resident Evil... Ils sont 3... où, putain? Je suis perdu. Ils sont passés où? La nana, je l'ai vu fuir, et après... C'est quoi, c'est Raccoon City Demo? Non, c'est ça, c'est le 3, ça. Mais c'est pas le 3 que tu parles? Non, c'est Projet Résistance, c'est le truc qui est offert avec le 3, mais il est à part, donc faut le chercher ailleurs. Et moi, pas moyen de le trouver sur le store. C'est pour ça que je suis passé par Google. C'est pour Projet ça que Résistance, il s'appelle? C'est ça, c'est peut-être pour ça qu'il y a pas grand monde dessus, parce qu'il est introuvable. Il est introuvable sur le marketplace. Alors qu'il est, il est dessus. Hein. Il a quel nom? Ben, Projet Résistance. Quand je te l'ai dit exactement, c'est. Et dans ces villes, Résistance. Voilà, Résistance, au cours, pas Projet Résistance. Ah, Résistance. D'accord, ouais. Pourquoi vous êtes encore là? Des villes Résistance? Ouais, Résistance, des villes Résistance. C'est Resident Evil Résistance, oui. Bêta. J'ai tapé Resident Evil Bêta, j'ai tapé... Resident Evil Résistance. Il est là. Il l'a trouvé? Ouais. Voilà, Resident Evil Résistance. Découvrez un nouveau... Parfait. Cette journée est encore plus intéressante que... à 1 contre 4 dans l'univers Resident Evil. Ok, ouais, c'est ça. Moi, j'ai dit tout à l'heure, il était pauvre, je l'ai pas trouvé. Je suis passé par vendu. Google. Non vendu séparément. Ah bon, d'accord. Ouais, il est avec. Ah oui, donc t'as trouvé le jeu, toi, mais pas la démo, pas la bêta. Ah, alors attends. Et dans tes villes. Non!
Mais la putain de ta mère. T'as fait l'acheter ? Non, il revient en arrière, il m'a tout supprimé. Resident. Evil. Oui, 6. Ah, tente open beta, d'accord. Oui, c'est pas clair quand même, pour le trouver. Voilà, télécharger. Oh, j'aurais dû prendre des missions. Est-ce que je peux pas l'offrir ? On n'est jamais mieux servi que par c'est soi-même. Parti. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça télécharge doucement. Je vais prendre des missions. Je prends un peu plus de mon temps, je crois que je vais pas me faire des amis. Voilà. Je mets là-dessus. Gérer fil d'attente. Il fait 10 gigas. Putain, j'ai un problème. Je te décharge vraiment bizarrement. Et ça redescend. C'est bizarre. Ouais, ça me fait un peu pareil. C'était du up and down. Au mieux, je suis monté à 150 mégabits. Là, c'est en train de se stabiliser. Ah, ça y est, ça monte. Je suis à 187. Vous êtes prêts ? Bah, ça redescend maintenant. 114. On a trouvé un rythme de croisière. Ça y est, décide. N'importe quoi, bordel. Et il est retombé à 117. 106, ah bah ouais, il est 100. Venez par ici. Il remonte. Encourage avec ça, camarade. C'est quoi ce bordel là ? Lala. Je reconnais que ce serait pas la meilleure solution pour vous tuer. Mais les ordres sont les ordres. Mais non, qu'est-ce qu'il fait ? 50%. Il reste encore trop. Oh, ce jeu, les amis, va mieux falloir y jouer avec des amis. Hein, parce que sinon, ça risque de pas être très très coordonné. Et là, le mec, il a redescendu le truc, du coup, je suis bloqué, je suis niqué. Si personne vient me chercher. Ah, si, ça va, je peux l'appeler moi-même. Je crois qu'on n'est pas tombé sur le meilleur mastermind du monde. Vous avez idée du temps que j'ai passé à installer ces merdes ? Et du coup, ça nous aide à parler trop vite. S'il y a quelque chose, je le trouverai. Après franchir l'ascenseur, mais plus qu'on est à l'abri. Oh, merde. Eh ben on a réussi. Victoire par KO.
3 survivants sur 4. Moi, parfait, toute ma vie, plein de stuff, plein d'armes. Et je vous trouverai. Si j'y arrive pas, bah, vous infecterez le monde entier et l'humanité disparaîtra. Et l'une qui est à moitié morte. Bien cette liberté retrouvée. Une est un peu blessée et puis une de rien mort quoi. Mais ça va, bah, évasion réussie les amis. Première partie, évasion réussie, perfect. Je suis un peu perdu en game, mais c'est bon. Ça va. Le rang B, bah le rang B, par contre déjà survie, c'est déjà bien, hein, quoi qu'il soit bien. Oui. Je suis le seul à avoir compris dans la partie que ceux qui étaient blindés fallait les frapper au corps à corps. Mais vu que j'avais plus mon morceau de bois du départ, ni d'armes contendantes, j'ai pas pu leur faire beaucoup de dégâts. Bon bah Gargio, première partie réussie. Très bien. Donc là, je vais essayer de faire une partie en tant que mastermind, si je trouve des gens, parce que c'est rigolo de jouer survivant, mais mastermind, ça doit être rigolo aussi. Ah, est-ce que en tant que mastermind, plus on joue mastermind, plus on débloque des trucs comme quand on joue survivant. Quand on joue survivant, on dit qu'il y a des niveaux. Est-ce qu'il y a aussi des niveaux quand on joue mastermind? Peut-être que là, on est tombé sur un petit mastermind, qui c'est sa première partie, avec les trucs niveau 1, mais ça se trouve... Alors, quand on est un mastermind niveau 10, on peut invoquer que des gros trucs directs. C'est bon, j'ai répondu à tout le monde. Wouh! Oh, mine de rien, j'ai 277 commentaires sur ma vidéo. Main de rien. Ah putain, d'ailleurs, tu me fais penser à un truc. Ah, ça, j'ai pas de message. Alors là, cette fois, les amis, on va jouer le Mastermind. Alors, contrôle de créature, buff. Lorsque des problèmes surviennent à Umbrella, Daniel Febron fait tout pour les régler. Sous les ordres du direct de Spencer, Febron aide Alex dans ses recherches et participe à la construction des installations, à l'enlèvement des sujets et même au déroulement des expériences. Il aime prendre des contrôles de créatures, le contrôle des créatures pour assister de plus près à la mort de ses victimes. Donc je peux incarner que Daniel, donc il me propose un choix multiple, mais pour l'instant il n'y a que Daniel. Donc est-ce que plus tard il y aura d'autres masterminds? Je sais pas, peut-être qu'il y aura des DLC gratuits ou pas. Alors pré-réglage. Je le sens bien celui-là. Pré-réglage 3. Ah, à l'instar des survivants, il y a des levels. Donc arme biologique tyran, prendre le contrôle d'un tyran pour traquer les survivants. Voilà, bah, j'ai pas le temps de customiser, mais à mon avis, voilà, on peut rendre le tyran plus balèze, les caméras plus balèzes et tout. Donc si vous tombez contre un mastermind qui est niveau 3 ou 4, je pense que vous allez vous faire défoncer, surtout si vous êtes niveau 1. Salut. Vous avez pris un drôle de chemin pour arriver jusqu'ici aujourd'hui. Voyons voir si vous vous en sortez ou pas.
D'accord, on est limité en nombre de zombies que l'on peut mettre, hein, vous voyez. Ah merde, j'ai pas mis du bon côté. Bouffe-la, 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 Titi. Hein ? J'ai été neutralisé ? D'accord, ils m'ont pété ma... Ok, j'ai toujours la caméra, mais ils m'ont pété ma tourelle, d'accord. Eh, c'est peut-être pas si évident que ça, le Mastermind, à jouer. Hein. Attendez, j'aimerais bien passer caméra... Comment on fait pour passer la caméra suivante, voilà ? C'est une ça, c'est la précédente, la suivante, s'il vous plaît. Bien. Donc, un piège... Ça pouvait vous être utile. Je pense que plus ils vont survivre dans le temps, plus j'aurai le droit de lâcher des du matos. Et pas sur bon, non, je suis allé sur le direct de Chris Papillon là. Ouais. Et j'ai posé une question à Chris Papillon et t'as un mec il a marqué tiens coucou El Gardio, il y a un mec qui m'a reconnu. Les gens ils vont tous sur les mêmes chaînes, tu vois. À mon avis, c'est plus des chaînes de droite, quoi. Bon, si Chris de Papillon est pas vraiment de droite non plus. Il est plus un politique. Ah, ça y est, je commence à avoir des gros trucs. Est-ce qu'on peut en lâcher deux? Ouais, bah c'est pas si évident que ça en fait de oh, la zombie costaud. Ah, je peux le contrôler. Je reconnais que c'est pas la meilleure solution pour vous tuer. Le contrôle, il est déjà mort. Mais les ordres sont les ordres. Il me désassemble à chaque fois, lui. Je gère ça. J'y vais un peu n'importe comment, Mastermind, par contre, j'avoue. On va voir ce qu'il y a ici. Ma femme qui vient fumer une cigarette et qui ferme pas la fenêtre. Oh, il fait chaud dehors, quoi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si vous voyez ce que je veux dire. Sans aucune douleur. Exactement ce qu'il me fallait. J'aime pas comment... Bien essayé. Mais vous ne serez pas plus en sécurité comme ça. Contrôler.
c'est putréfactor. Trouver l'endroit où utiliser ça. On va encore s'amuser. Enfin, moi, en tout cas. Ok, je peux pas changer de caméra si j'ai mis une mitraillette. Préparez-vous à vous amuser. Ou à bien mourir. D'accord, zone 1 complète. Donc là, ils ont réussi à échapper pendant la zone 1. Le destin a encore un rôle pour vous. Et là, à mon avis, je vais pouvoir envoyer du lourd. Parfaitement brutale et adéquate à la situation. Oh putain, il a un lance-roquette lui. Plume du destin va bientôt écrire la dernière ligne de ton livre. Est-ce que tu vas bien? Non. A priori, non. Ok, reste pas, merde. Pour ceux que vous aimez, il est préférable que vous ne sortiez pas d'ici. Encore Simon Berserk, ça va être pour rendre plus balèze des zombies, je crois. Ça fallait le savoir, hein. Je reconnais que c'est pas la meilleure solution pour vous tuer. Mais les orques sont les orques. T'as vu, c'est mon perso. C'est le perso que j'ai utilisé et je suis en train de l'utiliser. Bon. Rien ? Où sont tes ennemis ? Où sont tes amis ? Pour ne pas les acheter qu'ils sont blessés. Heureusement, la côté serait trop facile. Autant de survivants. Ça fera plus de nourriture pour les zombies de cette zone. C'était prévu, ils sont tous affamés. Voici un zombie, mais très dangereux. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, si vous voyez ce que je veux dire. Putain, ils ont réussi. Ah, j'aurais foutu plein la tronche. Ah, c'est rigolo. Enfin, c'est marrant tout qu'on fait. C'est quand même un cran au-dessus que Vendredi 13 ou Deadly by Daylight. Parfait. Cette journée est encore plus intéressante que prévu. Bon, il va falloir les tuer, là, parce que... Je ne ressens aucune douleur. Exactement ce qu'il me fallait. Ah,
Un zombie blindé. Voici le mortifère. Tada! Bon courage avec ça, camarade. Femme en grève d'applaudissement pour le pays hospitalier. Ah, je l'avoue, j'admire votre détermination. Mais c'est sans espoir. Alors autant abandonner maintenant. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous voyez ce que je veux dire. Un chapeau et un impair. Daniel, merci à toi. Très beau. C'est ça que tu veux, Daniel. Si bien que ça, les amis, jouer le mastermind, tu comptes faire ou... Ouais, je suis pas très bon mastermind. Comment vous vous sentez? Tout le monde est content. Rien fait pour vous si vous êtes aussi lent. J'avais tout gardé pour l'instant. On contrôle absolument tout ici. Putain, je les ai mis. Je les ai niqués à la fin. Oh, j'avais tellement gardé tout ce temps que je les ai défoncés. Je m'attendais à être déçu. 14 minutes 29. Vous échappez. Mais au final, vous êtes juste ici. Ah ben voilà, je les ai eu. Je leur ai envoyé tout le pâté à la fin. Ah, ils m'ont vénère. Ah, excellent.
Regarde, je vais vous protéger. J'ai plus de téléphone. Bon bah les amis, voilà, vous avez vu à quoi ressemblait Resident Evil. Je sais pas dans combien de temps Garjou sera disponible. Je sais même pas s'il a commencé à télécharger le jeu. Et du coup je crois que je vais arrêter là ce let's play. Puis après bon, j'irai jouer avec meilleure caméra quoi. En tout cas, voilà, si vous avez eu envie de voir... Si vous avez envie de jouer avec moi à ce Resident Evil, vous êtes les bienvenus. On va se faire un petit display ensemble. Je crois que j'en ferai un display quand tout le monde sera là, hein, quand on sera avec Rastavandi et tout, avec tous les potos quoi. J'en ferai certainement un display. Et voilà. Le premier display s'arrête ici. Et si vous voulez rejoindre le groupe, la nouvelle Mortax est Necros52, N-E-C-R-O-S 52, tout attaché. À bientôt.